Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de protection de collection, et plus particulièrement de nos comics. Si vous aussi vous possédez une collection de comics dans votre bibliothèque, et que vous y tenez suffisamment pour vouloir en prendre soin, c'est particulièrement le cas si vous possédez des éditions collector ou limitées, il existe quelques produits à connaître pour éviter sa dégradation. Pliures, déchirures, froissage, décoloration, jaunissement, humidité, moisissure, taches en tout genre. Nous pouvons tous y être confrontés un jour, les comics sont des livres fragiles. Pour remédier à ces différents problèmes, nous allons commencer par présenter les comic bags. Appelées plus couramment pochettes à comics, les comic bags sont généralement vendues en paquets de 100, comme ici. Leurs dimensions peuvent varier. Il existe évidemment plusieurs formats pour correspondre aux différentes tailles et aux différents âges de comics. Vérifiez bien donc, quand vous achetez, qu'elles correspondent bien au format de comics que vous souhaitez protéger. Ces sachets sont généralement composés d'un rabat refermable et d'une bande autocollante réutilisable. Ils sont également sans acide ni PVC pour préserver les comics de toute agression chimique. Si vous souhaitez aller plus loin, vous aurez besoin de backboards ou cardboards. Traités également sans produits chimiques acides, ces planches cartonnées, là aussi vendues par 100, viendront renforcer les pochettes pour éviter que les comics les plus fins ne s'affaissent et ne se plient. Vous pouvez évidemment retrouver ces différents accessoires sur le site de 1001 Hobbies. J'espère que cette vidéo vous a plu, et on se dit à très bientôt chez 1001 Hobbies.